Un gros sandwich au reblochon et au porc effiloché. J'ai trouvé ça sur un marché de Noël à Annecy. Le cochon qui tourne là, c'est celui que vous allez servir demain, c'est ça? Exactement. Il y a un cochon de lait en haut. Après, en dessous, vous avez des jambons. Et du coup, il tourne pendant 12 heures à la broche. Et après, on le met dans des bouillons. Et ils vont tourner pendant 12 heures dans le bouillon. Du coup, ça fait un truc très fondant. Et du coup, tous les matins, on va l'effilocher à la main. Et du coup, ça donne un truc à peu près comme ça. Ah, ça va être magnifique. Et vous le servez soit avec des frites, soit dans un sandwich. Soit dans un sandwich style un peu, on va dire, un peu kebab, mais c'est pas vraiment un kebab. Bah, allons-y, on va le tester ce sandwich. Bon, on va d'abord goûter la viande avec la petite sauce reblochon. Ah, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'en mode sandwich, avec le gros pain, ça va vraiment le faire. Là, on est vraiment en mode montagne. Avec le pain, vraiment super bon. La viande bien cuisinée, tant au niveau de la cuisson que la marinade. Et puis la petite sauce reblochon, franchement, elle fait plaisir. Même s'il aurait pu y en avoir un peu plus.